cité des enfants perdus où la ségrégation perdure, les contrôles perturbent, bien trop de balles perdues, condamnés à l'essuie-glace entre parloirs, promenades des cellules. Combien d'innocents victimes de leurs procédures, même si on les accuse de toutes les souffrances du monde. N'oubliez pas qu'au fond, ils restent nos mômes. Il ne faut pas confondre, je demande juste un peu de clémence et de compréhension, ne pas sombrer dans cette démence médiatique à base de peur pour propulser l'audimat. L'allumette et la bombe, faudra pas se plaindre si elle éclate dans la main de ceux qui l'ont laissé mijoter, justifiant les méthodes de leur majorité. Crois pas que j'exagère, c'est leurs grands mots qui me font gerber quand je pose une gerbe sur la stèle d'un ex-jeune qui manquait de projet, qui manquait de tendresse, qui manquait de proches, qui manquait de rêve et d'envie de vivre. En fait, ils nous ont pris pour des monstres, mais matent les pédos dans leur paroisse, souillant à jamais ces innocents victimes de sévices corporels et pour toujours mentales par des hommes d'église. Mon Dieu, c'est lamentable, il est là le vrai mal, odieux et insoutenable qu'on falsifie et étouffe. Cela fait moins de vagues, triste spectacle, loin de leurs faits divers. C'est pour ça que je manie le verbe et ma plume reste amère.